Si j'ai bien compris, je vais jouer l'inspecteur. Voilà. Et donc, tu vas jouer le fantôme. Exactement. Buquet qui joue sur la lumière. Megjiri qui peut passer par les raccourcis. Ok. Richard qui se swap. Qui, ou, il peut. Ouais, qui peut. Quand c'est entre parenthèses, c'est qui peut. C'est ça. Et enfin, Madame Giry qui avant, elle, va bloquer les salles. Et donc, ça veut dire qu'on sait les quatre personnages du tour suivant. Le fantôme se manifeste ou pas, s'il est seul, ou accompagné. Donc toi, non, c'est pas qu'il faut regrouper, c'est que tu as tout intérêt à ce que la population soit à moitié regroupée, et à moitié, et ça. Pile à moitié regroupée, et pile à moitié, isolée. D'accord. Il va aller là. Voilà. Et là, maintenant, tu vas éteindre une salle. Voilà. Ben, Et je vais jouer celui-là, qui va me permettre de swapper avec celui-là. Oula, c'est tactique ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Je vais l'utiliser. Hein. Bah, t'as pas trop le choix. Ouais. Donc là, on en a. Si tu vas te manifester, là, on est bien parce qu'ils sont 4, 4, 4. Ouais. Si tu te manifestes, je pourrai en venir santé. C'est ça. fin du tour. D'abord, est-ce que tu te manifestes ou pas? Mais justement, c'est ce que je dis. Est-ce que. Donc, oui, le fantôme se manifeste. D'accord. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être un de ces deux-là. Ni un de ces deux-là. Voilà, donc, tu en as éliminé 4. Il reste 4 suspects. 1, 2, 3, 4. Le fantôme s'est manifesté. Un de ça, ça va vite. Okay. Tour 2. Donc okay. Là, si on voulait, pour, quand on découvre le jeu, on peut retourner cette carte-là parce que ça réexplique la suite des opérations. Et là, nous avons donc forcément Christine Daae, donc celle qui attire, qui peut, si elle veut, attirer les personnages vers elle. Celui qui fait peur à tout le monde. Celui qui peut se mettre en route. Et celui qui pioche les cartes à libre. Sachant qu'on a 3 potentiels coupables. C'est cela même. Il va se déplacer de une case. T'es pas bien parce que je pense que c'est elle. Il va se déplacer de une case. Et donc, je pioche une carte à libre. Ah ben oui. Et là je me cache. Et là, non, tu peux regarder. Parce que ah oui, c'est la libre. Ah non. C'est le fantôme. Ah, salaud. Et donc, la Carlotta a peur. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une petite manifestation fantomatique, genre un lustre qui tombe, quelque chose, et paf, hop, une case. Ah ben, ça tue la petite dame. Peut-être bien. Donc ça, évidemment, cette carte-là ne revient pas dans le... Bah, c'est à la fois bien et pas bien. Parce que comme non, ça, mais je pour sais... moi, ça fait une case, hein, c'est pas si mal. C'est... Alors, moi, je vais en bouger 2. Alors, pourquoi tu m'as fait l'autre? Si je fais ça d'abord, elle peut venir là. Oui. Et elle peut attirer lui. Mais elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Elle fait comme elle veut. Mais si elle l'attire, ça veut dire qu'elle peut, si elle se manifeste, elle ne peut pas se manifester. C'est ça. Mais lui peut se barrer avec elle. Mais lui peut se barrer avec elle. Pour venir là. Mais voilà, après, c'est à toi. Là, tu vas en jouer 2 personnages. Ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que je veux qu'ils soient ensemble, mais je veux qu'eux ne soient pas ensemble. D'accord. Parce que lui, il va avoir le choix que de monter là. Ou...